Évidemment, un Grand Prix de Pau ne peut pas se courir sans une belle course d'anglo-arabe. Et nous avons ici le trio magique lauréat de ce prix, Louis-Alexandre Cerce avec Reddington, avec le président, bien sûr, Paul Couder, avec lequel on va conclure. Mais les deux hommes clés autour du vainqueur, Reddington. On va commencer par l'éleveur. On est un site d'élevage, bien sûr. C'est Vincent Corp. Alors, Vincent Corp, raconte-nous l'histoire de ce Reddington que tu as élevé. Reddington, c'est le frère d'Alfaris déjà. Très bon cheval donc. Voilà, donc sa maman, elle a fait plaisir. C'est une fille de Fast. C'était ma première jument que j'avais élevée en fait. Voilà, que j'avais gardée et que voilà. Voilà. Et donc, comme beaucoup de frères, je les ai vendus à Jean, qui les a exploités. Et donc voilà. Alors, tu es installé où? Raconte-nous un petit peu. Dans l'Aveyron. Ah, c'est bien comme endroit, c'est beau. Ouais. C'est loin par contre, mais c'est très beau. Loin, ça va. Tu as combien de juments? 4-5, Isaïs. Pourquoi l'anglo-arabe? Le berceau, et puis c'est peut-être plus accessible que le reste. D'accord. Voilà. Et tu l'as vendu à Jean Birabin, mais pourquoi ils ne comprennent pas sous tes couleurs, Jean? Alors, les bons chevaux, je les loue, je les donne, et les mauvais, je les garde pour moi. Ah, il est sympa, ce Jean. T'as un côté généreux, ça a toujours été comme ça. Voilà. Mais il y a très longtemps que je travaille avec Vincent, et souvent, je lui achète ses chevaux. Où je lui loue, non, mais en général, je lui achète. Mais là, il y a longtemps qu'il ne m'en a pas vendu, mais depuis qu'il ne m'en vend plus, il gagne moins de courses chez les autres. Mais Alfaris, que c'était toi, rappelle-moi. Absolument. Très bon cheval de crosse, d'ailleurs. Ah, très bon cheval de crosse. Ouais, ouais. Super cheval de crosse. Magnifique cheval, mais lui aussi est très beau, là. Ouais. Voilà. Mais je suis ravi parce que je ne savais même pas, je ne savais pas si je l'avais loué, je ne me rappelais plus ou vendu. Mais je l'ai loué à Dero, et voilà. Voilà. Bon, et donc tu es sur la photo du gagnant une fois de plus. Ça me coûte rien et ça me rapporte. Ah ben voilà, tu finis par faire des bonnes affaires. Finalement, c'est pas idiot quoi. Bon, il y a toujours de la bonne humeur dans les Anglos. Paul, le président. Bah écoutez, ça me fait plaisir que l'équipe Jean Birabin, Vincent Corp, parce que Vincent, c'est un Nord Aveyronnais, nous, moi je suis d'Auriac, et Jean, bah, c'est une figure des courses du Sud-Ouest, et aujourd'hui, c'est le grand cible de Pau, sponsorisé par Birabin, donc tout est bien, et puis j'en profite pour dire que c'est une bonne course, et la consolante de la bonne course du grand cible des Anglos, et il y a des partants, cet hiver je suis assez content, parce que le nombre de partants par course est très satisfaisant. On est sur la bonne voie et hier j'ai entamé un débat lors de la soirée sur l'organisation d'une vente aux enchères des Anglos de course parce que les Arabes font une vente, les purs sang aussi, il faut qu'on y vienne et on est en train de réfléchir. Merci, encore un projet pour les Anglos de course. Bravo à tout l'entourage de Reddington qui a remporté le prix Louis-Alexandre Cerce.